Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon samedi. Malheureusement, demain, exactement le même type de temps qu'aujourd'hui, avec des précipitations plus marquées sur l'est que sur le restant du territoire. Et puis surtout, des températures qui sont bien trop fraîches pour la saison. On est bien en dessous des normales de saison. Nous sommes sous l'influence d'une dépression qui est proche de l'Allemagne, qui nous envoie toute cette instabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on va basculer dès mercredi sous l'influence de cet anticyclone. Et donc, à partir de mercredi, retour des températures de saison et puis un temps aussi beaucoup plus lumineux. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. On les attend avec impatience. Le vent sera modéré, assez fort du côté du littoral pour la journée de demain. Donc toujours un petit peu désagréable. Un vent de nord-est. Jetons un œil aussi sur l'ensemble de la carte européenne. 25 degrés pour Lisbonne, 33 pour Madrid, 25 du côté de Bordeaux. Ça fait rêver tout ça. 24 pour Nice, 27 du côté de Rome. Et puis si on remonte un petit peu plus haut, 20 degrés pour Londres, 19 pour Amsterdam et 22 degrés pour Paris. Donc tout ça pour demain. Voici la couverture nuageuse pour les prochaines 24 heures et puis aussi les précipitations. Alors on le voit très bien sur cette carte, elles vont arriver. Les précipitations vont toucher principalement l'est de notre territoire et puis ensuite elles vont également s'étendre sur le centre. Voici donc la couverture nuageuse de 1 à 5 litres par mètre carré. Et puis ce soir on aura un temps relativement calme, sauf sur l'est où là on attend de faibles précipitations. Ensuite, dans la soirée, ça se calme, sauf du côté du littoral où on attend juste quelques pluies, quelques précipitations et puis des bancs de brume et des brouillards sur les hauteurs de notre territoire. Un grand classique de 10 à 15 degrés pour les minima, 13 degrés sur le centre du pays, 15 du côté du littoral. Demain matin, on bénéficiera d'un temps relativement calme, en tout cas sec, avec quelques champs nuageux, aussi de temps en temps des éclaircies, sauf du côté du littoral, mais ensuite eux, les chanceux, étant donné que le soleil va faire sa grande apparition dans le courant de l'après-midi, en tout cas plus d'éclaircies là-bas avec un temps sec. C'est seulement là-bas qu'il fera sec. Ensuite, sur le centre du pays, on attend quelques pluies, de faibles précipitations et ces précipitations seront plus marquées sur l'est de notre territoire, exactement comme aujourd'hui, de 14 à 19 degrés pour les maxima, 18 degrés du côté de Mons, 16 pour la région de Charleroi. Si on y regarde de plus près, à Ostende, donc un temps sec, 18 degrés pour l'après-midi seulement. À Uccle, ce sera pareil. À Biercé, 17. À Nalines, près de Charleroi, 16 degrés. Et à Virton, 17 degrés. La probabilité de précipitation varie de 30 à 70%. Allez, on va vers les bonnes nouvelles. Tout doucement, débute la semaine avec un temps variable. Toujours plus d'averses sur l'est que sur le centre ou encore sur l'ouest. C'est vraiment un dégradé. Plus on va vers l'ouest et plus le soleil brillera, jusqu'à 21 degrés. Mardi, exactement le même type de temps que lundi avec un ciel changeant. Alternance de nuages, d'éclaircies, de temps en temps l'une ou l'autre averse. Et toujours le littoral qui est bien protégé avec un temps sec et une belle lumière là-bas. Cette belle lumière, elle sera là pour tout le monde à partir de mercredi. Et bah oui, pour la rentrée, pourquoi pas. Le soleil brillera avec juste quelques champs nuageux, des nuages cumuliformes, 22 degrés, 21 degrés également pour jeudi 2 septembre avec de belles éclaircies. Et on prend et on continue et avec les bonnes nouvelles. Le temps sera lumineux vendredi et même pour le week-end prochain avec 22 degrés et donc enfin des normales de saison. Bon, on attend donc la rentrée le mercredi 1er septembre avec impatience puisque le soleil sera de la partie. Demain, nous serons le dimanche 29 août. On fête les Sabines, on les embrasse bien. Bien fort, une en particulier d'ailleurs. Le soleil se lèvera à 6h52 et on va terminer avec cette citation. Ne laissez pas une petite dispute briser une grande amitié. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dès demain sur RTL TV.